Hey, matelot ici Defroy, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur la construction d'une maison sous l'eau, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo de toute façon. Donc voilà un peu à quoi va ressembler la bête. Alors là elle est pas sous l'eau comme tu peux le voir, mais elle est sur la terre ferme. Mais c'est en gros la reproduction que l'on va faire sous l'eau, tu vois là-bas il y a toute une installation. On va utiliser ça. Alors voilà, c'est des espèces de tubes un peu ovales qui sont collés les uns sur les autres et qui permettent de faire une espèce de maison. Et en fait, l'idée c'est que, évidemment c'est des tubes qui vont être collés les uns les autres pour avoir des passages entre eux et pour faire la maison, mais que du coup il y a aussi une partie en verre en fait, qui va permettre d'avoir une sorte de jardin sous l'eau, tu vois, un jardin d'extérieur mais qui serait sous verre, tu vois. Avec une piscine aussi du coup, alors si j'arrive à rentrer, ouais c'est bon. Avec une piscine ici, tu vois, bon là c'est en terre, mais tu vois, l'idée ça serait que ici, tu vois, ça c'est une piscine et qu'on puisse passer dessous la piscine, tu vois, pour atteindre l'océan directement, tu vois. Faut que j'arrête de dire, tu vois. Donc voilà, ce serait un passage en fait, la piscine serait un passage vers l'extérieur et vers tout le reste de la flotte qui irait tout autour de la maison. C'est un peu ça l'idée, je trouvais ça plutôt sympathique, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pouf, pouf, voilà. Ok, et donc voici un petit peu l'ordre du truc, c'est-à-dire que voilà, on a mis des grands panneaux en verre, et donc du coup on va construire la maison à l'intérieur de ce trou. Donc je précise du coup aussi au niveau des dimensions totales de la maison, hein, pour que vous puissiez faire des panneaux en verre si comme moi vous voulez en faire aussi. Donc la maison va faire 44 blocs de largeur en tout, donc il vaudra mieux avoir une largeur de votre cuve ici qui soit plus large encore, et 43 blocs de longueur, ok. Donc voilà, il faudra avoir un truc un peu plus grand. Du coup, voilà, donc, voilà, il fera 8 blocs de hauteur aussi, donc il faudra juste avoir une dizaine de blocs d'immersion pour avoir un minimum, enfin pour être sous l'eau quoi, tout simplement. Donc, moi ce que je vous invite maintenant, c'est de prendre les blocs de quartz, ok. Les magnifiques blocs de quartz, il pleut. Et il y a mon antipluie qui ne marche plus, qu'est-ce... Voilà, donc j'ai réparé l'antipluie normalement. Alors du coup voilà, on va prendre nos blocs de quartz, tu vois, et on va déjà faire la forme de l'ovale qu'on va utiliser du coup pour la partie principale. C'est-à-dire qu'on va poser 8 blocs, tu vois, sur le sol, donc là on a 4, 5, 6, je vais essayer de centrer un petit peu, 7, 8 par rapport à la cuve, hein, pour qu'on soit pas bloqué par le côté. Donc voilà, on a 8 blocs sur le côté, puis après on va monter de 1, on va aller sur 3 sur le côté, d'accord, puis après on va mettre 1 en diagonale, puis après 2, mais vers le dessus, comme ça. Et puis après on refait la même chose, on en remet 1, puis après on en remet 3, et puis on en remet 8. Ok, et on fait la même chose de l'autre côté du coup, hein, 3, 1, 2 et 8. Hop, voilà, 1, 2, 3, et on arrive ici. Ok, magnifique. Du coup, une fois qu'on a fait cet ovale, là on va le prolonger sur 26 blocs de longueur. Voilà. Alors... Une fois qu'on a fait ça, on a notre première partie de la maison. En fait, on va faire deux autres ovales, exactement la même chose. C'est-à-dire que voilà, on a 26 blocs de longueur et on va faire deux ovales aussi sur le côté comme ça. Sauf qu'ils vont être décalés, tu vois, les uns par rapport aux autres. Donc l'idée, c'est qu'on va partir du côté de notre ovale qu'on vient de faire et on va compter 12 blocs, d'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, d'accord. À partir du 13e bloc, tu vois, au niveau du dessus, là, au niveau sur les... Enfin, là où il y a les 3 blocs en longueur ici comme ça, sur le bloc d'à côté, ben on va faire, hop, 3 blocs ici comme ça aussi. Ok, et puis après on va remonter, on va remettre 8, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et après on refait, hop, le cylindre comme on vient de le voir, hein. Hop, 1, 2, 3, pouf, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 1, 2 et 3, et voilà. Alors, et en gros, c'est avec cette forme-là de cylindre, en fait, qu'on va prolonger, hop, sur, pareil, hein, 25 ou 26 blocs de longueur. Et on va faire ça des deux côtés. Hop, voilà, donc je repars de l'autre côté et on repart par ici. 1, 2, 3, pouf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, normalement j'ai 8 parce qu'il y a le premier que j'ai pas compté. 4, 5, 6, ouais, c'est bon. 1, 2, 3, s'il te plaît, pouf, voilà. Ok. 4, 5, 6, 7, 8, ok, et puis c'est bon, ok, donc voilà, on a vraiment notre forme de maison qui commence à se faire, tu vois, là pour l'instant ça ressemble à rien, on dirait que la maison elle a des ailes un peu chelou en mode moustique, tu vois, c'est un peu bizarre, mais voilà, en gros l'idée c'est de les prolonger eux aussi sur 26 blocs de longueur, ok, donc une fois qu'on a fait ça,
On va reprendre les blocs au niveau de l'arrière, tu vois, parce qu'évidemment, si on prolonge la partie du cylindre qu'on avait faite, il y a toute cette partie-là, du coup, qui n'est pas faite. L'idée, c'est tout simplement de joindre les deux cylindres sur deux ou trois blocs, tu sais, de profondeur entre les deux, de manière à ce que les deux cylindres s'entrecroisent à ce niveau-là. Tu vois, donc par exemple, ici, on a trois blocs, donc on devrait faire un truc comme ça pour avoir le cylindre complet. Donc évidemment on va faire ça sur toute la longueur, hop, voilà la longueur qui reste, et on va avoir deux ou trois blocs plongés dans l'autre cylindre du coup, et inversement. Ok, donc voilà, là on a presque fini du coup, voilà. Ok, et donc ici, on voit bien qu'il y a un cylindre qui est à l'intérieur d'un autre, ici à ce niveau-là. Donc on va juste laisser deux blocs de marge ici, tu vois, et tout le reste, là, on va le péter, voilà, comme ça, pour avoir un passage entre les deux blocs du truc. Donc ici, pareil hein, au niveau du bout du cylindre, ici, on va compter deux blocs et on va péter le milieu au niveau du passage. Et on va ouvrir tout ce qui reste. Hop, voilà, à ce niveau-là. Et évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Walou. Donc ici, par exemple, hop, on prolonge. Voilà, donc comme ça, on a quelque chose d'à peu près propre. Et on fait la même chose de l'autre côté, hein, du coup. Voilà. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, du coup, on a vraiment notre corps principal de la maison. Maintenant, il nous reste à mettre les blocs de verre pour pouvoir continuer et vraiment finir l'architecture de la maison. Alors, on prend les blocs de verre et du coup, on va prolonger le cylindre qu'il y a là-bas, tu vois, pour le ramener jusqu'à 5 blocs devant les autres cylindres qu'il y a ici, tu vois. Donc voilà, on va vraiment avoir un bout comme ça, comme sur le modèle. Hop, donc voilà, on prolonge les blocs ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, jusque là, du coup, et après, à partir de là, on va faire, hop, comme ça, le cylindre comme on le connaît, avec les 8 blocs en haut, 1, 2, 3, pouf, 1, 1, 2, 1, 1, 1, voilà, ok, 1, 2, 3, c'est bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, ok, et normalement, je suis bon, voilà. Donc tu vois, on va avoir ce cylindre là finalement qui va venir vraiment finir la maison, et tout le reste là on va le boucher, c'est à dire que l'arrière du cylindre aussi. Il faut pas oublier que comme la maison sera sous l'eau, du coup il faut vraiment faire quelque chose d'hermétique où il n'y a vraiment pas de trou du tout, parce que sinon ça va être la fête du slip à l'intérieur de la maison, évidemment. Youp, ok. Donc voilà, alors évidemment aussi, on va prolonger, tu vois, le verre ici, tout jusqu'au cylindre, sauf que comme le cylindre, on n'a pas encore mis les vitres dessus, bah il faudra juste s'arrêter à ce niveau-là, tu vois. Hop, d'ailleurs, on va mettre les vitres au niveau des cylindres aussi le plus vite possible. C'est vrai que là, comme c'est que du verre, on voit pas grand-chose. Pourtant, j'ai mis le pack de texture, le faceful, justement, pour pouvoir avoir, pour pouvoir voir quelque chose. Là, en fait, au niveau du verre aussi, tu vois, au niveau du verre, on va juste le prolonger sous le cylindre plutôt que de le prolonger dans la forme pour avoir juste plus de place en fait. Voilà, on va faire ça pour avoir un... Voilà, ok, on va faire un truc comme ça. Pouf, qui va venir dessous le cylindre. Là on est... Ok. Ok, comme ça. Et voilà, donc en gros on finit ça rapidement hein, et on va pouvoir placer les vitres hop, au niveau des cylindres aussi. Pouf, voilà. Voilà, donc je remplis ça rapidement. Et ok, voilà. Donc, bah, une fois qu'on a fait ça, on va mettre maintenant les fenêtres au niveau des cylindres, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, c'est assez ouvert. Hein. On va dire que si on met la flotte tout de suite, ça ressemblera plus à une ruine ou à quelque chose, à une sorte de vaisseau spatial qui a coulé au fond de la flotte qu'à une maison. Donc, l'idée, c'est de prendre des blocs bleus comme ça, des blocs de vitres bleues claires, pour vous donner un aspect encore plus bleu à la maison, tu vois. Donc, l'idée, ça va être de boucher tout le reste au niveau de l'entrée des cylindres, comme ça, hop, au niveau du bout des trucs. Voilà, alors on peut se permettre de faire des connexions de texture, hein, là, parce que comme ça sera sous l'eau, ça se verra pas. Et donc, inutile de prendre de l'espace à l'intérieur de la maison pour voir faire des décalages. Hein. On va juste mettre tout en façade et ça va marcher très très bien. Tu vois, donc on fait ça sur tous les côtés de la maison. Et après, il faudra aussi mettre du coup de l'éclairage. Parce qu'évidemment, comme ça sera sous l'eau, tu vois, bah, niveau de l'éclairage, ça risque d'être compliqué. Alors, l'idée, ça sera donc de faire... Hop,
de mettre des six lanternes, hein, pour rester un peu dans la thématique, et de les mettre sur les coins de la maison. Alors tu me dis, le coin d'un ovale, ça va être un peu dur à trouver, mais t'inquiète pas, on va se débrouiller. Hop, alors on en met là aussi. Mais t'inquiète pas, voilà. Donc il faudra prendre des six lanternes, c'est ça qui risque d'être un petit peu compliqué à prendre, notamment en survival. C'est vrai que moi j'en ai jamais chopé en survival des six lanternes, donc effectivement je pourrais pas vous indiquer comment. Je crois que c'est dans les donjons de la mer, quelque chose comme ça. Hop, voilà. Alors ici aussi il faudra juste faire un truc, c'est-à-dire qu'au niveau des vitres comme ça qu'on va mettre, on va aussi rajouter une entrée quand même, une porte d'entrée. Et du coup, hop, je suis en train de tout péter, moi c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Voilà, on va mettre... Mais non ! Voilà, on va mettre une porte d'entrée et on va l'intégrer à l'intérieur de la vitre en fait. Alors, je vais te montrer ça tout de suite dès que j'aurai fini la vitre. Hop, hop, ok. Donc voilà, on reprend les blocs de quartz ici, tu vois. On va les prolonger au niveau du bas sur deux blocs de longueur, d'accord. Et on va faire, hop, une espèce de cloche comme ça au-dessus de notre plateforme ici. Ok, hein, comme ça. Et en fait, l'idée, ça va être de prolonger les blocs de verre ici sur la longueur, hop, et ici aussi, tu vois, pour essayer de faire un espèce d'encadrement, et c'est à ce niveau-là qu'on va mettre, ok, des portes, voilà, donc j'en ai déjà dans mon inventaire, impeccable, voilà, tu vois, tiens, d'ailleurs, c'est chelou, ils sont pas là, les poignées sont pas de la même hauteur selon qu'on soit dans un côté ou de l'autre, hein, mais ils arrivent pas, ah, d'accord. Oui, d'accord, ok. Non, c'est moi qui n'avais pas mis les portes dans le bon sens. C'est tout. Ok, donc voilà, je fais cette dernière vitre aussi rapidement, du coup. Voilà. Ok, bon, bah maintenant, finalement, il ne reste plus que les finitions. Hein. On arrive à assez bien. Alors, du coup, voilà, on va vraiment faire le truc maintenant. C'est-à-dire qu'on va aménager l'espèce d'espace extérieur qu'il y a sous verre, là, comme ça. Ça fait bizarre de dire un espace sous verre, mais c'est l'idée en fait. On va essayer de faire une espèce de fausse plage artificielle sous le dôme de verre en fait. Et faire une piscine du coup qui va avoir un accès vers le reste de la flotte en fait, autour de la maison. C'est-à-dire que voilà, on va complètement changer le sol ici, tu vois, de gravier en sable. Alors juste le truc qu'il faudra savoir, c'est que ici, tu vois, entre... le dessous des cylindres ici, bah il y a une espèce de trou ici comme tu peux le voir, et donc l'eau va pouvoir s'infiltrer par là. Alors techniquement non, parce que ça va faire du courant et donc ça va s'arrêter avec le courant, tu sais, l'eau ça peut aller que jusqu'à 7 blocs de longueur, hein, quand tu mets une source d'eau, donc techniquement ça ira pas jusqu'ici, mais pour pouvoir boucher ça quand même, on va utiliser de la laine noire, tu vois, on va utiliser de la laine noire. Hop, ici sur le côté, pour que comme ça, ça soit bouché au niveau de la vue. On va faire ça aussi de l'autre côté. Alors, je l'ai mis à combien de blocs de profondeur? Ok, de 1 bloc. Ok, donc ici. Ok, et donc ici, là, entre les cylindres ainsi que le verre là-bas, on va enlever tout le gravier et on va mettre du sable à la place. Ok, voilà. Et donc du coup, voilà, maintenant l'idée, une fois qu'on a mis le sable, ça va être de créer une espèce de piscine, tu vois, dans l'espèce d'extension qu'il y a au niveau du verre, hein, et de creuser sous la piscine pour avoir un espace, tu vois, d'accès vers le reste de la flotte. Ok, donc pour ça, on va prendre les blocs de bois de sapin, hop, bois que j'aime bien utiliser, hein, et on va faire comme ça, on va creuser, ou même tout autour du bloc, ici, comme ça, pouf, on va creuser, alors j'ai... plus mes blocs de bois évidemment. Youp. Voilà, on va creuser tout ça et on va aller jusque là, hein, par exemple. Hop, au niveau de la piscine. On va creuser tout ça. On va enlever le sable et on va mettre des blocs de bois du coup sur le contour. Pour avoir le bord de la piscine. Qu'est-ce t'en dis? Qu'est-ce t'en dis? Hop. Hop. Ok. Alors. Une fois qu'on a ça, du coup, l'idée, ça va être de creuser sous la piscine, ainsi que de laisser pas mal d'espace autour de la maison, ici, comme ça. On va pas mal terraformer, on va creuser, en fait, toute une cave qui va permettre de pouvoir aller sous la piscine, du coup, tu vois. Donc, voilà, l'idée, ça va être ça, c'est qu'on va creuser sur 3-4 blocs de profondeur, et il y aura plus que de l'eau après. C'est-à-dire que, tu vois, ici, là, par exemple, bon, bah, on va enlever les bords, et on va mettre du bois à la place, quand même, pour que ça soit un minimum propre. Hop, ici aussi. Et on va, voilà, faire sur 3-4 blocs de profondeur.
Voilà, l'idée ça va être de créer quelque chose d'assez propre en fait, c'est ça qui va être un petit peu compliqué. Ok, heureusement j'ai mis que du gravier donc ça va être plutôt pratique. Hop, donc voilà, l'idée ça va être quand même d'avoir la moitié de la piscine qui soit entièrement recouverte de bois et d'avoir quand même une grosse ouverture vers l'extérieur. Donc ici tu vois à partir de 4 blocs de profondeur on va tapisser sur 5 blocs de large. D'accord. Et sur toute cette partie-là d'ouverture, là, ça va être tout complètement ouvert. Et on va pouvoir aller où on veut. Ça va être ça l'idée. Et tu vois, du coup, là, on est vraiment sur l'extérieur de la maison. Et on est protégé par le dôme de verre. Alors l'idée, du coup, ça va être de partir à peu près de ce coin-là de la maison. Et de faire une espèce de forme comme ça tout autour du bloc de verre. Hein, pour pouvoir créer des espèces de marches qui vont venir petit à petit prendre dessous la piscine, tu vois. C'est-à-dire qu'on va enlever toute cette surface-là de gravier, puis après on reprendra une deuxième marche, tu vois, avec en laissant un petit peu de marge pour enlever une deuxième couche, puis après une troisième, une quatrième, et on va avoir une espèce de plage comme ça qui va venir par-dessous la piscine, tu vois. Donc alors, j'enlève cette première couche de gravier. Voilà. Alors maintenant l'idée bah, c'est de refaire un peu la même chose, hein, c'est-à-dire on va faire une deuxième marche, on va prendre un petit peu d'écart par rapport au bord ici, tu vois, et on va refaire un truc comme ça, histoire d'avoir un terraforming, tu sais, qui soit un minimum intéressant, et on va enlever toute cette couche de gravier là, tu vois, encore une fois, et on va faire ça plusieurs fois jusqu'à atteindre vraiment un espace suffisant que l'on puisse venir sous la piscine très facilement, voilà. Ça va être ça l'idée, donc voilà, je vais enlever cette première couche, enfin cette deuxième couche du coup de gravier. Alors évidemment si vous avez, si vous êtes terraformer, ça devrait pas vous poser de problème. Si vous avez jamais fait de terraforming sur Minecraft, ça vous en posera davantage. Voilà, donc ici on va reprendre aussi ça en dessous la maison hein, tant qu'à faire. Et on va reprendre une troisième couche du coup, à partir de là. Et on va refaire une troisième marche. Alors c'est pas vraiment une marche tu vois, mais c'est un peu ça l'idée, c'est de laisser de l'espace. Hop, voilà, alors on va vraiment tout enlever, maintenant ça va plus prendre trop de temps. Ok, voilà, ok, donc voilà, encore une fois on refait un dernier truc, hein, ou ouais, une dernière couche je pense, qui là devrait pas être trop long. Voilà, donc le truc c'est qu'il faut vraiment pas être régulier hein, quand vous faites vos espèces de marches comme ça. Il faut que ça ait l'air naturel un minimum tu vois. Pouf, donc ici on ouvre, ok, et donc évidemment là tant qu'à faire on va même rajouter un petit peu de sable. Alors on pourrait même limite ne pas mettre de piscine et mettre vraiment une plage artificielle carrément tu vois, ça peut se faire aussi hein. Après tu fais comme tu veux le voule. Moi je vais mettre un petit peu de sable au niveau du fond du truc pour garder un peu l'ambiance sable pendant quelques mètres, hein, faire comme si la plage tu vois, de la piscine se prolongeait un petit peu. Hop, comme ça par exemple, en mettant des espèces de dénivelé ici pour que ça rende un peu plus naturel quand même, parce que là c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Hop, tu vois, on va essayer de faire un truc un peu comme ça, on va mettre du sable ici aussi plutôt que du gravier, ou en tout cas sous le verre là, hein, tu vois. Hop, voilà, allez, vas-y le sable. Youp. Ok, et donc bah là encore hein, de mettre un petit peu de couche de sable comme ça qui va venir faire quelque chose d'un peu plus naturel. Hop. Voilà. Et tu vois que là tout de suite on a une ouverture qui est plutôt sympa. Ok, donc voilà, bah maintenant on va passer vraiment aux décorations de la maison quand même, parce qu'il faut mettre des choses, tu vois, au niveau de notre piscine déjà, au niveau de cette plage là, tu vois, on va vraiment faire en sorte que ça soit une pièce de la maison à part entière, donc on va prendre les glass pan comme ça, comment ça s'appelle en français, les vitres, tout simplement, et on va les mettre comme ça sur les côtés de notre maison, sur les côtés de notre mur, hop. Hop, 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 voilà, hop, allez, vas-y, hop, 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 ok, donc voilà, on va mettre par exemple des vitres comme ça, tout simplement. Alors, on va aussi mettre du coup des escaliers, ou plutôt des demi-blocs d'ailleurs, de quartz,
hop, comme ça, sur la longueur, pour avoir une espèce de marche pour pouvoir venir sur la plage plus facilement, hein, tu vois. Alors, l'idée, bah, comme c'est sur une plage, on va pas se priver, on va mettre des transats, tu vois, même si ça va être assez compliqué pour bronzer, je te l'accorde. Mais voilà, on va mettre des bronzats en bois. Des bronzats. Ah, tiens, ça, c'est pas mal, ça. Je viens d'inventer un mot. Les bronzats en bois. Pourquoi pas? Voilà, donc en fait, du coup, maintenant, l'idée, ça va être de rajouter un petit peu de décoration sur le côté. Sauf que comme c'est du sable, bah, ça va être compliqué. Donc, au niveau de la décoration, ce qu'on va mettre, par exemple, ça va être des feuilles, hein, classiques, comme ça. Et avec sur des barrières, hein, pour faire une espèce de petit palmier. Mais aussi, on va pouvoir utiliser les dead bush, les buissons morts, comme ça. Parce qu'effectivement, ça peut servir aussi de décoration. Par exemple, là, je vais mettre, hop, des feuilles autour. Alors oui, il faut que j'arrive à cliquer sur le truc. Des feuilles autour de barrières, comme ça peut faire des espèces de petits arbustes. Ok, ça peut être rigolo. Si j'arrive à ne pas trop taper sur ma souris. Voilà, on en met un ou deux comme ça. Et après, on peut mettre pas mal de dead bush, du coup, sur les côtés de la piscine. Ça peut être sympa. Par exemple, comme ça, là, tu vois, les dead bush, pouf, sur le côté. Ok. Et tu vois que ça donne un petit côté sympa quand même, hein. Ça fait un peu des étoiles de mer qui soient, enfin qu'on regarde de loin, tu vois, qui sont un peu paumées sur la piscine autour de la plage. Donc ça peut être rigolo, moi j'aime bien. Donc voilà, l'idée maintenant ça va être de prendre les six lanternes. Hop. Voilà les six lanternes, donc les lanternes de la mer, je sais pas comment ça se dit en français d'ailleurs. Et on va les mettre sur les coins de la piscine, tu vois, histoire d'avoir un minimum d'éclairage. Faudra savoir que du coup, une fois qu'on aura mis l'eau, hein, autour de la maison, bah ça va être extrêmement sombre du coup. Donc l'idée c'est qu'on va mettre pas mal d'éclairage, tu vois, ici dans les coins par exemple, sur les côtés de la maison, on va mettre des éclairages avec des six lanternes incrustées dans les murs finalement. Ici aussi, tu vois. Hop, hop, et hop, et on va les mettre sur tous les côtés. Voilà, youp, on va peut-être même les coller aux vitres, histoire d'avoir un minimum de hop, d'effet aussi au niveau de l'extérieur. Ok. Voilà. Et on les fait vraiment tout autour de la maison pour avoir un effet maximal. Alors évidemment, ça va coûter cher en termes de six lanternes. Mais faut savoir ce qu'on veut, ma bonne dame. Faut savoir ce qu'on veut. Hop. Et on arrive au dernier. Et on aura fini en fait pour cette maison-là. Carrément. Tu vois, c'est assez simple finalement comme concept, hein. C'est juste qu'il y a pas mal de remplissage avec des surfaces de quartz et tout. Donc voilà. Alors, l'idée quand même, c'est qu'on va pas prendre de risques, et ça c'est vraiment ce que je vous propose de suivre comme astuce. C'est-à-dire qu'on va vraiment boucher l'entrée au niveau de l'entrée de la maison, et on va, dans un premier temps, utiliser, enfin boucher la piscine juste le temps de mettre la flotte autour de la maison. Tu vois, c'est-à-dire que quand il y a des ouvertures comme ça dans la piscine, eh bien moi j'ai eu des problèmes quand j'ai fait la maison parce que j'ai refait en fait, je refais la vidéo parce que la première n'avait pas marché et que je l'ai supprimée comme un... Ah! Bref, donc c'est la deuxième fois que je le refais et donc je peux vous dire que la première fois j'ai eu des problèmes avec la piscine parce que comme il y a un trou en fait, quand tu remets l'eau autour, ça rentre dans la piscine et du coup t'as plein de flotte dans la maison. Voilà, donc je peux te dire, bouche la piscine juste le temps de mettre de la flotte et... On sera pas mal. Alors du coup, moi je vais utiliser World Edit pour enlever les murs. Hop. Et on pourra regarder un peu le résultat. Youp, glou glou glou. Pouf. Et hop. Et du coup, on va voir ce que ça va donner. Alors, Walls 0. Et ça ne fait absolument rien. D'accord, ça ne se remplit pas. Ça, c'est ballot, tiens. Alors, on va voir ce que ça a donné. Fixe. Fixe ou vater. Et voilà le travail. Et tu vois que quand on regarde par-dessus, tout de suite, on la voit bien à la maison. Tu vois, on voit qu'il y a quelque chose, c'est plutôt intéressant. Et on voit que ça a une forme sympa. Enfin, on voit qu'il y a une forme bizarre et tout, tu vois. Donc, on sent vraiment que c'est une maison sous la flotte. Enfin, regardez aussi par l'arrière, du coup. Là, tu vois, ah, il y a des trucs. Donc, sous la flotte, on voit rien. Donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser une potion de vision nocturne. Hop, Night Vision. Ok, donc j'en avais déjà une dans mon inventaire.
Pouf! Ah oui, alors oui, du coup là forcément, on voit beaucoup mieux. Alors maintenant l'idée ça va être de réouvrir la piscine. Hop. Ok. Et de rajouter un petit peu d'eau, hein, tant que faire se peut. Voilà. Alors, la porte a tenu, c'est impeccable. Alors voilà, du coup maintenant on va rajouter de la flotte. Youp. D'accord, et si on met sur les côtés, c'est bon, ça se met bien. Voilà. Eh bien voilà, finalement, on a notre maison sous l'eau, j'allais dire petite maison sous l'eau, mais quand même 40 par 40, c'est plus une petite maison, je pense. Donc voilà, il y a de l'espace, il y a de quoi faire, il y a une piscine avec des espèces de mini palmiers tout piti piti. Non, moi j'aime bien. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. Hop, en plus, on voit bien ça de l'extérieur, surtout avec une potion de vision nocturne. Donc voilà, avis aux amateurs, n'hésitez pas à vous faire plaisir avec cette maison. Là, je vois que j'ai mon world edit qui a creusé un petit peu tout autour de la maison, mais bon, voilà, ça se remet facilement. Sur ce, voilà. Hop, d'ailleurs, ça me permet aussi de pêcher, tu vois, dans la maison à partir de dessous la flotte. Tu vois, je pêche, c'est de la pêcheception, tu vois, tu pêches à partir de dessous la mer. T'es dessous la mer et tu pêches quand même. Moi je dis, il y a du niveau, il y a du niveau carrément. Sur ce, très bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine!